à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est la 70e. Alors vous le savez, quand il y a des paliers importants comme ça dans les vidéos, j'aime bien marquer le coup en vous proposant des contenus un petit peu originaux et du coup aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Alors si vous vous en souvenez, à la vidéo numéro 20, donc ça remonte déjà à un petit moment, mais j'avais annoncé des changements et des nouveautés pour améliorer Anima Eki. Et ça, bah, mine de rien, c'était il y a 50 vidéos. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous reproposer la même chose pour qu'Animaiki continue encore de progresser. Alors du coup, je vais tout vous expliquer puisque je vous réserve 4 grands changements pour les vidéos à venir. Le premier changement concerne le rythme. Alors, actuellement, je le rappelle, on est à une vidéo par semaine puisqu'on se retrouve tous les mercredis. Et si vous vous en souvenez, dans le sondage que j'avais fait il y a quelques mois de ça, je vous avais dit que j'avais envie de changer de rythme, mais au vu de vos retours, comme quoi une vidéo tous les mercredis, ça vous allait bien, bah du coup j'avais touché à rien. Mais comme à partir de cette vidéo, je vous l'ai dit, il y a des changements, il y a des nouveautés, et bien je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'adapter le rythme. Parce qu'une vidéo tous les mercredis, et eh bien, ça ne me convient plus trop. D'abord parce que c'est vrai que c'est un jour fixe, donc ça m'oblige à mettre mes vidéos en ligne toujours au même moment, ce qui n'est pas toujours pratique pour moi. Mais aussi parce que de temps en temps, j'ai envie de faire plus de vidéos, d'autres fois, j'ai envie d'en faire moins. Et avec ce rythme que je me suis imposé, j'ai moins de liberté. Alors bon, des fois c'est vrai, j'ai dérogé à la règle puisque je vous ai déjà proposé des vidéos bonus en plus des vidéos hebdomadaires, mais à présent j'ai vraiment envie d'enlever toutes les contraintes et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur un rythme irrégulier. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant euh, les vidéos sortiront, bah, quand elles sortiront tout simplement, il n'y aura plus de jour fixe, il n'y aura plus de sortie fixe, mais euh, je tiens à vous rassurer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura moins de vidéos. Parfois, je ferai plusieurs vidéos par semaine, d'autres fois, il y en aura moins. Mais quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai jamais trois semaines ou un mois sans avoir de contenu. Je tiens quand même à faire des vidéos souvent, mais seulement, bah, il n'y aura pas de fréquence précise. Deuxièmement, et là c'est sans doute la chose que j'ai le plus hâte de vous faire découvrir, c'est tout simplement le nouveau générique, ou plutôt les nouveaux génériques, puisque vous le savez dans mes vidéos, il y a un générique au début et un autre à la fin. Eh bien ça, ça va être complètement dépoussiéré et vous allez pouvoir en découvrir de nouveaux très prochainement. Et je vais également en profiter pour changer quelque chose qui n'a jamais changé depuis la toute première vidéo d'AnimaEki, c'est la petite transition où vous avez le titre de chaque partie dans les vidéos, donc c'est cet écran noir avec ce titre blanc, euh, ça je ne l'ai jamais changé depuis le début, donc du coup je me suis dit que pour qu'il y ait une vraie unité entre tous les éléments, et eh ben ça allait y passer aussi, donc vous allez découvrir tout ça très bientôt et on continuera à harmoniser le tout avec de nouvelles vignettes, comme je l'avais déjà fait euh, lors des changements de la vidéo numéro 20. Euh, et puis je trouve que changer les vignettes, c'est une très bonne manière euh, visuellement pour vraiment marquer la différence entre les anciennes vidéos et les nouvelles. Et enfin, je vous dévoile le dernier changement que vous voyez sûrement arriver parce que je vous ai parlé de tout sauf de lui, c'est le décor. Alors celui que j'ai actuellement me convient, j'en suis très contente, mais c'est vrai que je me suis dit quitte à faire des changements, eh bien autant aller jusqu'au bout. Et je trouve que ça aurait peut-être fait un petit peu bizarre de changer les génériques, de changer les vignettes et bah, de laisser ce fond-là. Donc du coup, ce décor va faire peau neuve lui aussi. Ça y est, vous savez tout Alors j'espère que vous avez très envie de découvrir toutes ces nouveautés. Moi en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous les proposer et ensuite d'avoir vos retours. Et je profite de la fin de cette vidéo pour, comme souvent, vous remercier, que ce soit pour les vues, pour les likes, pour les partages, mais surtout pour les commentaires, parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Surtout que les échanges autour d'Animaiki sont toujours très positifs et très bienveillants, et ça, ça fait vraiment plaisir à voir. Alors Merci à vous d'être aussi actifs sur Animaiki, ça me fait vraiment super plaisir de voir que le projet vous plaît à ce point et moi j'ai vraiment hâte de vous proposer encore plein de contenus pour que l'aventure continue. La prochaine vidéo, ce sera le générique, comme ça vous pourrez avoir un petit avant-goût de tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui et ensuite on repartira sur les vidéos normales mais avec les nouveautés. Et en attendant, si vous vous ennuyez d'Animike, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur le site web et sur la page Facebook où vous pourrez trouver plein de photos. Et moi du coup, je ne vous dis plus à mercredi puisqu'on passe en rythme irrégulier, mais je vous dis à la prochaine fois.